Rebonjour la famille, rebonjour. Re, j'ai dormi. Oh, le sommeil et moi. Maman. Et les maux de tête en prime. Oh, on va faire comment? Oh, FDL. Oh, Fleur de Lys. Oh, on peut faire ce genre. En vrai, j'ai le coup d'une robe pour la soirée. En vrai, de chez vrai, vrai, vrai. Jusqu'à. Il y a même maux de tête dans sa chasse 6 heures. Je vais me coucher, me réveiller, les maux de tête, je vais m'asseoir ici au lieu de continuer. Non. Vrai, vrai, peut-être que Wally a raison. Hein. Oh putain. Moi, je suis même bien. Je suis même déjà là-bas, là-bas, au con, avant même d'avoir été vendu. On peut faire ça. Hein, FDL, est-ce qu'on peut faire ça? Bon, je vais piquer ça dans quel sens, hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je mets mes études, je suis conscient de mettre. Même les épingles dans le mauvais sens. En principe, on met les épingles comme ça. Mais moi, si là, je suis incorrigible, quand j'ai appris une mauvaise habitude, pourquoi on m'enlève ça? Du moins, c'est pas 50 ans qu'on va venir m'enlever la fesse là. Donc, je suis en train de faire la doublure de mon corset sur fond de mot de tête. En vrai, je me réveille. Je vais me réveiller. Voir que Fingoncha là, là. Pardon. Commençons par le commencement. Il a dit que les Camé avec les vous. Vous avez dupliqué la page de la Basse France. En vrai. Et vous avez dupliqué la page de la Basse France. Il y a 3 jours jusqu'à. Non. Les vous existent. Hein? Vous avez fait ça comment? Il y a des vous ici. Général Magneto, ça. Hein? Jusqu'à dupliquer la page de la Basse France. Général Magneto. On vous dit que nos pages sont suivies. Nos pages sont suivies par gérer, pas que suivies, gérer. Donc tu pensais que tu allais dupliquer notre page, nous on n'avait pas réalisé. Hein? Et nous avons un style, c'est ça qui est ça. Et vous? Donc là, 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 là. Depuis quand nous on fait déjà collage ici? Vous avez vu ça sur un de nos directs. Et Seigneur. Vous avez dupliqué la page là. En vrai de chez vrai. De vrai, de vrai. Avec 82 followers. Quand vous dites acheter le cerveau. Moi, je suis admin sur la page de la Basse France. Bonjour, mon épouse. Bonjour, Roxane. Hein? Comment ça, tu vis comme une ermite? Donc, moi, je suis admin de la page de la Basse, moi, c'est là. Donc, vous voulez voir? Attendez, ils sont tombés de la bêtise ici d'abord. Oh, putain. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh, maman, Sarah est. Me voici ici, non. Quand vous dites le nombre de pages, mon cher admin, là. Voici Basse France, non. Il y a Basse France dans ça. Quand je zoome là-bas, donc je suis admin, je vais m'installer. Je farfouille là-bas. Voici la vraie page de la Basse France. Et je suis admin là-bas. Avec 68K de followers. Vous êtes couché là-bas, vous avez dupliqué. Aïe, vous comptez aussi dupliquer celle-ci. Hein? 35 000 cas de j'aime. Et 68 cas de followers. Vous avez dupliqué hier, là, vous êtes né. Donc la Basse est née hier, là. Regardez la différence entre nos posts et les vôtres. On vous dit que les nos pages sont gérées, pas que Bakobajona. Jusqu'à vous avez même pris, à part ma tête, parce que vous savez que moi, si moi je suis, je ne donne pas les lettres. Donc, quand vous allez sur notre page, moi je mets sur la Basse France, quand je mets les directs. Mes directs se sont partagés sur la Basse France en même temps. Donc, vous êtes, et seul mon, Seigneur,
Mon commandant et tout, vous dupliquez la page, mais ce que vous émettez là-bas ne ressemble même pas à ce qu'on y met dans l'original. On peut faire ça. Bonjour, Cristaline. Fingon, tu m'as seulement, c'est ce que j'ai dit, Cristaline, dès qu'elle a vu ça. Mais elle ne peut pas écrire ça ici. Hein? Facebook va me abonner si j'écris ça ici. J'ai pensé ce que tu as écrit là. Habili, vous foi. Vraiment, hein, nos frères pensent souvent qu'ils vont te gifler, tu tends l'autre jour. Parce qu'aujourd'hui, la longueur est une personnalité devant comme ça. Dis contre là. En vrai, vrai, de vrai, de chez vrai. Tu présentes les excuses à qui? Donne-moi poser la question. Elle n'est pas suivi. Elle se m'a mis une seconde. Elle dit, en vrai. Donc, je vais suivre ça ici en direct. Venez me réveiller. J'ai mal à la tête. J'ai oublié de prendre mon médicament. Coucou, Emma. Bonjour, la mère. Tu présentes tes excuses. Et voilà Steve Fa qui arrive aussi avec sa part de copie. Steve Fa, vraiment, il y a dossier, dossier. Pardonne-toi, excuse nos vies. Parce que quand on parle de Mimbang, même le nouveau-né là, hein. Pourtant, on n'est même plus au niveau du ventre. Ça veut dire que là-bas, 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 toi, tu as seulement le. Tu as le tunnel comme moi. En vrai. Coucou, Matrici. Non, 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 quand on parle de Mimbank, elle n'a pas les Mimbank. Non, non, toi, tu n'as pas. Parce que toi, la même si on t'attrape seulement le 6, on n'aura même pas besoin de prendre la machette que tu seras y a dans les pommes. Tu vas même creuser ta propre tombe, tu djoum, tu fermes. Pas le petit élève qui a enlevé sa camarade, là, qui a demandé 3 millions et qui a creusé une tombe ou je ne sais pas quoi. Une anti, elle a dit, ou une tombe ou antichambre dans sa propre chambre d'étudiant. Bonjour Valoriane, comment vas-tu? Bonjour Alain. Hey! Même pas 48, 24 heures. Et vous voulez que vous preniez au sérieux? Quand vous venez, soit vous plaindre que tel t'a fait, qui a fait, qui a fait que. Et quand tu as raison, tu viens, le pardon vient chercher quoi ici? Parce qu'il y en a qui ont commencé à te faire l'île. Nous ici, nous on parle souvent, mais il y en a qui te font seulement l'île. Bonjour Bertrand. Hein, Fingon? Et tu t'appelles Fingon, hein? Bonjour Prisca. En vrai, Fingon Tralala. Moi, il venait se mettre déposer, il voulait pas te porter. Là, voilà que je suis même en train déjà de te soulever du sol. Fingon, tu ne vas pas. Donc, tu as raison. Parce que quand tu viens te plaindre ici, c'est que tu estimes avoir raison. Mais moi, on ne peut pas demander pardon si j'ai raison. Que ça fait comment? Surtout pas en 24 heures. Hein? Et vous êtes sur longueur, longueur, vous dites que longueur, longueur, il marche avec ses tortionnaires. Pour vous là, sans marcher les torsionnaires, mais vous allez me les torcher à vos langues. Descends mes bancs comme ça. Tu viens te plaindre que tu dois même te laisser. Qui doit te laisser tranquille est sur toi depuis. Il doit te laisser. Et le coq n'a même pas encore amorcé le mauvais chant de la mauvaise heure. Tu es déjà des. Écoutons ça ici. Ah, ça, vous êtes là. Wamen, Tamsou. Et je suis en train de me remettre à l'Iwondo. Ma fin de vie doit être proche. Pourquoi ma part d'Iwondo sort naturellement comme ça? Aïe. Moi, je mélange souvent tout ça. Hein. Il faudrait que tu sois en train de dire aux gens que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a Écoutons. torturé, Première sortie. avec qui tu mangeais, qui venait à tes spectacles te Ça, c'était Fingon hier. Et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais taire le nom. Et que tu as rempli la mission et que ça a mal tourné. Quelle mission, quand non? on décide de participer, quand on décide de travailler pour le diable, il faut assumer les conséquences. Maintenant, si aujourd'hui tu es en France parce que tu avais pour interdiction d'atterrir sur le territoire français. Mais est-ce que c'était en relation avec le Cameroun? Et que par Léa, tu as pu te retrouver en France et que tu voudrais avoir des papiers de l'ONU et que tu veux avoir ton asile, dis la vérité aux gens, mon frère. Arrête de faire croire aux Camerounais que tu détestes le régime. Arrête de vouloir faire aux Camerounais que ce régime tu détestes. Il n'a même pas la suite dans les idées. Tu as mangé avec Boutez. Tu manges avec tous les ministres. Bonjour, ma blessing. Tu étais avec Bangui. Le commandant Bangui ne faisait aucune évidence à quoi tu sois là.
Tu étais avec ta bala matin, midi et soir. Bonjour Maurice. Ce n'est pas peut-être parce que aujourd'hui tu es en France et que tu veux l'Asie que tu vas faire ce que tu veux. Donc ça c'était Fingon hier. C'était toi hier là, Fingon. En vrai. Et je sors de ma sieste migraineuse, même en plus. Et je vois Mia qui fait nuit. Donc là, mes humeurs vont bientôt changer là. Je vois que les jours sont de plus en plus courts. Moi qui n'arrive plus à travailler la nuit, je suis comme un poulet. J'ai même envie de rentrer dormir. Donc je fais l'effort de venir courir. Tout ça à cause de FDL. C'est à cause de Fleur de Lille que je souffre comme ça. Pour le 2 novembre. Hey, je me lève comme ça. Je n'ai pas encore fait un pas hors de mon lit que je tombe sur la vidéo de Fingon avec un pardon dans ça. Je reste comme ça et dis, hé. Je suis venu me rencarder ici que famille, pardon, dites-moi, c'est vraiment le pardon parce que moi, je n'ai pas écouté. Elle m'a vu le titre qu'il y avait pardon dans ça. Que les excuses de Fingon, tchalala. J'ai seulement appuyé, j'ai dit non, mieux, je fais ça en public. Je ne veux pas gaspiller mes émotions. Donc voici Fingon. J'assiste pour rendez-vous. Pourquoi je ne suis pas en joie? J'ai un peu maîtris. Je suis blessé. C'est pas mon fond intérieur parce que j'ai gaffé. J'ai gaffé. J'ai laissé mon émotion prendre le dessus. Et j'ai choisi un moment dont il ne fallait pas. Pour, tu as laissé ton émotion, tes émotions prendre le dessus. Ça, c'est pas un crime. Ce n'est pas parce que je me laisse déborder par mes émotions que je dois prendre mes tout. Tout ce qui me sert à marcher, je commence à marcher dans la destination. Mon top est en train de glisser. Vous aimez souvent entendre que vous laissez déborder par les émotions. Nous autres, nous sommes des émotifs. C'est bien d'avoir des émotions. Mais l'adulte doit contrôler, maîtriser ses émotions. Ah, parce que je suis heureuse qu'elle doit me déshabiller de bonheur là, en pleine rue, me rouler par terre. Et pas parce que je suis fâchée qu'elle doit faire ça comme quand j'avais 6 mois. Hein? Il y a des enfants, ils sont fâchés, ils sont contents, ils se roulent par terre, ils crient. Débordement d'émotions, ils savent encore contrôler les choses là. Il a fait un oh-oh, il n'a pas fait un oh-oh, il pleure sa chose. Il a sommeil, oh, il pleure. Hein? Il est content, il pleure même aussi. Même les émotions là sont étonnées au pays des émotions. Il y a même des. Nous avons même deux séries de films hein, animés. Deux séries de films animés. Émotions. Les émotions. Les émotions là sont. Tu vois, l'émotion, comment dire? Tu vois la tristesse essayer de rire. C'est à se plier de rire. Bonjour, Mamati. Comment vas-tu? Vous avez vu? La tristesse essayer de rire. Ou bien, grincheux, essayer de rire. Grincheux, c'est chez les sept nains. Ou le schtroumpf, qui dit tout, qui n'est pas content, essayer de rire. Ben, c'est un peu se plier de rire, hein. Donc, Fingon Tralala dit qu'il s'est laissé déborder par ses émotions. Donc, l'émotion a pris dessus. Et peut-être que je devais chercher les motifs là qui essayent, les 16 motifs qui essayent de faire le contraire de ce qu'ils expriment. Faut que c'est à se rouler par terre de, on sait pas finalement, hein, parce que une tristesse qui essaye de rire, on sait pas si on doit rire ou bien l'assommer ou on se dit, mais t'es la tristesse, pourquoi est-ce que tu rirais? Pourquoi? Ben là, ça devient philosophique. Bon, bref, restons au niveau de Fingon. Fais savoir à un frère, à un ami, qui n'a pas aussi été courtois envers moi depuis près de 17 ans. Un frère en l'humanité, oui. Un ami! Là, je suis en train de me laisser déborder par mes émotions. Tu parlais de qui comme ça, mon frère? Parce que tu n'as pas encore cité Longuet Longuet. Un frère, oui. En triangle camerounais, oui. Attendez, rembobine.
Non, 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 là, moi, je me laisse déborder par mes émotions. Non, figon, figon. Non, 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 ne me fais pas ça. Attendez, je rembobine. Hop. Ah bon, Libreville, merci. Merci pour l'accueil. Merci pour cette grande réception. Merci pour l'honneur que vous me faites. Mais c'est vrai, vous êtes nombreux à vous poser la question, pourquoi je n'ai assisté pas au rendez-vous, pourquoi je ne suis pas en joie. J'ai un cœur meurtri, je suis blessé, pas mon fond intérieur, parce que j'ai gaffé. J'ai gaffé. J'ai laissé mon émotion prendre le dessus. Et j'ai choisi un moment dont il ne fallait pas. Pour faire savoir à un frère, à un ami, qui m'a... J'ai bien compris, un frère, un ami, et tu dis que tu as choisi ça au mauvais moment, parce qu'on t'a dit que c'est une histoire de moment. Coucou Malidi. Oui. Mais quand même, il n'entre pas la mauvaise rêve. Mais oui, non, j'ai vu des boycotts, j'ai vu son affiche là barrée, ce m'a dit, oh, maman, oh, ça y est, ham sur lui. J'ai vu son affiche, est-ce que nous on parle de choses comme ça? Moi, j'ai seulement fait, maman, ça quitte la mauvaise façon sur lui. Donc, comme il sait que les gars là ne vont pas lui donner de lait, le gars, il a commencé à rétro-pédaler. Maman, donc quand tu étais dans tes émotions là, c'était pas de bonnes émotions. Non, celle-là était débordante. Et aujourd'hui, là, tu les gères mieux. Hein? Tu gères mieux tes émotions aujourd'hui. Là, 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 là. Et c'est comme ça qu'on se comporte avec un frère. Vraiment mieux, hein? Mieux, moi, je n'ai pas de sororité dans ce pays-là. Mieux, je n'ai pas de sororité. Non, pardon, faut excuser nos vies. Parce que être frère et soeur au Cameroun, là, c'est dur, hein? Les retours de bâton. Maman, hein? Quand elle te dit, tu es ma soeur, tu es ma soeur, tu es ma soeur, quand elle te dépose la sororité au carrefour, hein, tu te retrouves les quatre fers en l'air en public, sans caleçon, sans vêtements, sans rien. Eh, la honte de ça. La honte veut se mettre à mort dans ces moments-là. Donc, Fingon dit carrément que, hein, il a laissé ses émotions sortir de leur vase, face à son frère, à son ami. Mais en même temps, il lui rappelle que son ami, là, lui-même, il n'a pas été courtois. Donc, pour lui rendre l'appareil, c'est le moyen que toi tu as choisi. Et la diffamation, oh, et la malhonnêteté, oh, il faut avoir peur de nous, les camés. Moi, je vous dis, vraiment, c'est l'humanité qui me fait encore, moi, acheter nos problèmes. J'y crois encore parce que, oui, ma mère m'a élevé en croire en l'humanité. Mais vraiment, et que je prends ça globalement. Parce que s'il fallait prendre mano à mano, moi-même, je me serais ya laissé déborder par mais tout ça à cause d'un bijou. Cristalline. Hein? Non, mais c'est trop facile. Tu blesses quelqu'un? Tu blesses quelqu'un? Mais oui, c'est pour ça. Il n'est pas sincère. Et c'est bien dommage. Et c'est pour cela qu'elle dit souvent... Il faudrait apprendre l'histoire de Pierre et le loup. Le jour où vous allez vraiment vous retrouver dans des problèmes, le jour où vous viendrez vous plaindre, le monde ne vous croira plus parce que vous avez passé votre temps à dire et à vous dédire. À dire et à vous dédire. Ce n'est pas sérieux. Hormis le fait que ce que nous sommes en train de vivre est très, 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 est crucial. Hormis ça, mais beaucoup ont choisi ces moments pour régler leur compte avec Longuet Longuet. Longuet Longuet lui-même qui a la malbouche, là, on n'a pas besoin. Je suis pas là pour défendre Longuet Longuet. Lui-même là, ça part de bouche, ne porte pas le string. Non, c'est parce que il y a des choses qui nous concernent nous tous. Mais comme il y a des Camerounais qui aiment bien que d'autres ne doivent pas avoir le projecteur, du moins le projecteur là des destinations. Il y a des personnes au-dessus duquel il doit s'opposer. Ces Camerounais-là ont décidé de faire sortir toutes les vidéos de Longuet Longuet. Il y a pour Steve Fa qui arrive, hein, disant que, oh, Steve Fa mange avec ses tortionnaires, Steve Fa ci, Steve Fa ça. Bizarrement, quand il était en train de le faire, hein, vous ne lui en avez pas fait le reproche. Toutes les vidéos que vous sortez là aujourd'hui, vous ne les avez pas sorties, vous ne lui avez pas fait le reproche
d'aller manger, d'aller chanter pour Tabala et tout ça. Lui demander même le passeport. Là, ce morceau-là. Hein? Ce morceau-là. Donc, il a supplié Tabala jusqu'à... Pour lui, est même venu. Peut-être qu'il a même fini par abandonner. Hein? Donc, jusqu'à ce dernier, l'année dernière, du moins, ou en début d'année, il était encore à genoux devant ces autorités-là pour leur demander... Donc, quand il allait là-bas, c'était... Il suppliait... Il était vraiment en train de se racheter quelque chose. Il avait besoin de son passeport. Donc, il y a des Camerounais aujourd'hui qui viennent le diaboliser. Des Camerounais qui n'ont pas dénoncé la chose il y a quelques mois encore, voire quelques jours, hein, quelques semaines, qui viennent aujourd'hui dire à Longué que, oh, il mange avec les gens du régime. Oh, oh, pourtant, je parie que si moi, si j'étais sorti dire à Longué que, mais mon frère, toi aussi, tu exagères. Là, il me dit que non, tu sais, il est au Cameroun. Il ne peut ne pas faire ça. C'est une question de survie. Allez-y, vous. Et voilà. Vous venez nous demander pardon. J'ai aussi été pour toi envers moi depuis près de 17 ans. Et 17 ans. J'ai choisi le mauvais moment parce que personne ne peut accepter ce que tu as vécu. C'est une histoire vieille de 17 ans. Tchalala et Figo. Pour ça, je voudrais que m'en excuse. Et j'espère que beaucoup, comme lui, pour pouvoir comprendre. Et ceux que par mes propos en ont cru autrement. Et là, ils ne citent pas. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que mes propos ont été mal orientés, mais à la base, mes propos n'étaient pas genre pour cajoler ce système, en effet, qui nous a confisqués. Mes propos n'étaient pas pour laisser croire que j'accepte tout ce qui se passe. Mais personne ne peut accepter ça. Qui t'a dit d'accepter? Personne ne peut accepter ce qui se passe, ce que le frère a subi. Parce que comme lui, il y en a plusieurs qui en ont subi. Mais toi là, hein? Et pour ceux qui estiment ou bien qui pensent que j'ai perçu 5 francs, sur la tête de celle qui m'a mise au monde, jamais je ne peux accepter. Partisan ou bien accepter de prendre un radis pour faire ce genre de choses. Ceci voudrait tout simplement dire accepter de boire du sang. Moi, je ne fais pas ça. Vous savez comment j'ai commencé, vous savez. Il faut nous laisser les raccourcis là, ça, boire du sang. Non, il faut nous laisser ça. Mais les figons comme ça, les meillons, hein, les Onanguini, ce sont les patins du même sillon. Hein, on entend bien les tensionnaires de Longué lui parler de sa dernière sortie. De la vidéo, hein, et Longué répondent que, oh, j'ai souvent chanté pour Papa Paul Biya. J'ai souvent, et lui, il vient nous dire que, oh, c'était une histoire d'en bas. Et lui, il était là-bas, pendant que les en bas sont à Koudengui, lui, il était là-bas en train de monter, descendre, à Meillon, vraiment. Et toi, t'as pas là. Si il dit qu'on t'a mangé au con, pour toi, là, n'est pas faux. Pour toi, là, n'est pas faux. Parce que déjà, ton cerveau, les gens qui te dessinent souvent, là, toi, Meillon, Ounangini. Toi, on te dessine même souvent. Je ne sais pas avec quoi on te doit te dessiner. C'est-à-dire, dans ton cerveau, là, quand on ouvre ta boîte crânienne, je sais pas ce qu'on y trouve. Parce que même le Ntoubekwan est utile. Peut-être que le Ntoubekwan en fin de parcours, même ça, là, on peut utiliser pour faire du méthane. Hein? Donc, vraiment, Meillon. Je ne sais pas. Marcel Ouarangini, je ne sais pas. Mayemki. Je ne sais vraiment pas. Donc, voilà les Camerounais qui ont inventé un lexique pour justifier leurs bêtises. Oh, boire le sang. Oh, ceci. Oh, ça se trouve même les gens du Ben. Ça se trouve les gens du Ben. Vous mangez du boudin, c'est manger du sang, non? Boudin de porc. Et le mammifère le plus proche de l'homme, c'est le porc, hein, génétiquement parlant. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Génétiquement parlant, c'est le porc. Donc, comme vous aimez à dire là que boire du sang, vous mangez au boudin, non? Minalmi. Bon, là, je crois que j'essaie toujours de régler l'embu. Mais à essayer de trop régler l'embu, là, je crée souvent un décalage. Alors, je suis en train de faire la doublure. Tout ça, c'est à cause de FDR pour le 2 novembre, donc le week-end prochain. Paris, là, va bouger. Les gens vont nous chasser du quartier, là, parce que moi, je vais faire un peu de désordre. Il faudrait que je mette déjà mes médicaments, tout ce que j'ai contre les migraines, là, parce que je sens que mon corps ne va pas aimer. Hein?
mon corps ne va pas aimer. Donc là où je vais me corseter, là, mon dos là va tenir droit, fait quoi, fait quoi. De sort pour pouvoir en arriver à cette petite place. Je préfère me brûler sur le soleil matin et soir pour gagner mes 1 francs avec ma petite comédie. Vraiment pour ceux que j'ai heurtés, je vous demande pardon. Mes frères de la diaspora, mes frères de pas le moi. J'ai pas besoin de ton pardon, dis donc. C'est que j'ai voulu exprimer 17 ans, une histoire vieille de 17 ans. Mon désagrément envers l'honneur. Parce que depuis 17 ans, je suis. Mais je peux faire comme ça, ce n'est pas bon. Et au moment qu'elle choisit, je suis désolé. Mille fois désolé. Je crois qu'elle veut acheter mon vêtement. Il y a des choses à vous. Ça ne passe pas. Et sachez que je suis pour ceux-là qui aspirent au changement. Et encore gros, je suis pour ceux-là qui aspirent à l'émergence. Je ne suis pas celui-là qui acceptera un temps soit peu. Prendre un radis pour ce genre de mission. Et si quelqu'un ou quelqu'une estime m'avoir un jour donné l'argent pour ce genre de choses, l'argent sort d'ici. Étant donné, il y a des choses à vous, je vous aime. El Pichino Monumento. Non. Pourquoi vous parlez de vous d'argent? Bonjour Camélia. Pourquoi est-ce que vous parlez? Bonjour ma pas Emmanuel. Pourquoi vous parlez de vous d'argent? Il y en a qui ont dit qu'il a peut-être pris de l'argent pour descendre. L'argent sort d'où ici? C'est chacun son cerveau, la bêtise qui va avec. Hein? L'argent sort d'où ici, Fingan? Malé. Non. Nous avons fort à faire. Hein? Nous avons fort à faire. Donc, Longue vient de demander pardon. Aïe. Vous voulez entendre la sortie de. La sortie de Steve Farr. Là, alors j'ai écouté 30 secondes. 30 secondes, c'est parce que lui, il raconte, lui. Il dit qu'Iwanda Sud, Longue qui mangeait avec et quand vous écoutez même la partie de la vidéo, des fois je me dis, vous êtes nombreux dans votre cerveau. Hein. Bonjour Matt, bonjour La Montagne, bonjour Hill. Salut. Non, grabdé. Divaïmo. Fingong, je ne t'ai même. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu Fingon comme ça. Fingon, on a bien. Hein? Mais même Bengla ne vous lave pas souvent. Hein, Fingon, Beng n'était pas lavé. Eh, maman. Ah, les Camerounais ont souvent là de faire, de fabriquer l'infabricable. Je ne sais pas comment. Ça, c'est. Voilà une autre. Longue, pardon, viens, on regarde cette vidéo ensemble. Rien ne peut te dépasser, papa. Écoutez. Je suis calé, même si vous me donnez 10 millions. Je vais bien ça. Le monsieur à qui Longue demande le visa s'appelle Tabala. Ce n'est pas la magie avec vous dans ce pays. Quelqu'un qui t'a soi-disant torturé devient ton ami Longue. Est-ce que Longue t'a dit que parce qu'il lui demandait le visa, c'est son ami? Toi-même, tu dis qu'il l'a torturé. Hein? Et dans ce cadre-là, son passeport lui a été enlevé. Et depuis là, il demande à chaque autorité devant laquelle il se trouve un visa ou son passeport. Les Camerounais, pour nous là, que Dieu nous garde. Hein? Allez, vous voulez descendre quelqu'un, vous oubliez même la chronologie. Là, bizarrement, comme ça ne vous arrange pas. Tu prends la vidéo dans laquelle il demande un visa au colonel qui l'a torturé, qui lui avait pris son passeport, du moins qui a participé à prendre son passeport. Dans un pays où on t'oblige à te mettre à genoux, Longue ne s'est pas encore retrouvé devant quelle autorité il a demandé son passeport. Ou le visa. Benglave souvent certaines personnes. Ouais, ma Christaline. Benglave souvent certaines personnes. Vraiment, si Beng n'arrive pas à te laver, l'eau calcaire là ne te lave parce que t'as pas l'air désespéré. En vrai. Même si tu es né un genre, non, Benglave les gens. Non, se laver tous les jours là, ça participe à la beauté. C'est ça qui est ça. Ça participe à la beauté. C'est moi qui dis. ça vaut ce que ça vaut. Donc voilà la sortie de Steve Farr. Un courbe de première.
Non, je ne peux pas, je ne peux pas appeler le nom. D'accord, tu me diras pas que c'est le commandant Kabbala. Oui, par un lien là-bas. Super. Ça, ce n'est même plus le syndrome de Stockholm, je vous jure. Ah. Tu te comportes, on dirait un charbon qui s'invite à une compétition de blancheur longue. Voilà un courbe-courbe de première. Et quand on dit ça, moi là, c'est dans le sens littéral. Voilà un courbe-courbe de première. Pour dénoncer, maman. Pour dénoncer. Quand on parle des gens qui sont donc payés pour faire du sale, celui-ci là, il en fait partie. Des personnes qui ont vendu leur conscience dans ce pays-là. Toi, on n'a même pas eu à te torturer. Non. On n'a même pas eu à te torturer, Steve. Non, 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 volontairement, tu allais vendre. Et, pardon, mais par contre, là, je vais éviter. Tu allais te donner cadeau. Bon, heureusement que ces gens-là, ils peuvent te tenir en te payant, mais à l'origine, tu allais te donner cadeau. Tu as des gens, on t'a même pas encore appelé, on t'a pas encore corrompu, que tu as débarqué. Tu dis, papa, il peut même faire ça pour 0 franc. Oui, et c'est toi qui parles. Tu t'as de ça longue. Toi, là, tu peux tenir combien de secondes sous la torture? Tu peux tenir combien de secondes? Steve, fais toi, si là. D'ailleurs, mieux, on ne te voit même pas en slip. Mieux. Oula, sans se te voir. Si moi, je te vois en slip, je deviens LGBT. Oui, c'est mieux. Mieux, je gère les femmes. Parce que l'image, là, va rester gravée dans ma mémoire. Elle dit que je me mettrai devant mon gars comme ça et je te vois seulement toi-même, ta part là. Non. Oh, pas sexy du tout. Non. Mieux, toi-même, là, on te récupère pas parce que la vidéo, là, va nous faire pleurer pour la cause, contre. Nous allons pleurer parce que l'humanité est blessée et nous allons aussi pleurer pour ton caleçon. Monsieur Steve Fa. Quand les hommes avec grand âge parlent dans ce pays-là, pardon, mieux tu creuses sous tes pieds, Tchindjoum. Imagine-moi, Steve Fa, mangeant et buvant avec les gens de la base qui m'ont sauvagement agressé en Belgique. Ce ne serait pas la folie. Steve Fa, pardon, ne parle pas vite parce que sinon les gars vont aller au labo. Non, ne parle pas. Steve Fa, toi, si là. Oh, bon. Toi, Steve Fa. Pardon, j'ai ma mémoire, je suis en train d'appuyer sur rappel mémoire là. Toi, Steve Fa, tu es sûr qu'il n'y a pas au moins une vidéo avec toi en train de manger avec Nyat ou bien, pour ne citer que celui-là. Non, ne me pousse pas à commencer à aller chercher dans les archives, pardon. Non, ne m'amène pas à aller chercher dans les archives. Là où je suis même là, il peut faire comme ça, il monte mon vêtement à l'envers, ensemble. Il peut faire comme ça, le Congo, ça avait fait. Karine a monté son vêtement à l'envers. Pourquoi est-ce que les trucs ne sont pas au bon endroit? Oh non, c'est pas le bon morceau. Et on se calme là. J'ai mis ça dans le mauvais sens. Oui, j'ai pardonné. Mais de là à me lier d'amitié avec eux, jamais de la vie. Sauf si c'est pour les empoisonner. Même Dieu qui nous appelle à pardonner a sûrement pardonné au diable. Mais est-ce que vous le voyez encore ensemble? Longue, tu abuses. Longue, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais sache que... Oh, Steve Fa, il a fait une sortie sur la torture. Steve Fa. Il s'est exprimé sur la vidéo sur la torture. Il a donné son... Bon, lui qui dit que, oui, les gens du régime, est-ce qu'il s'est exprimé sur la torture de Longue avant de venir lui dire que, mais toi-même là, Dubiste Doumia, tu allais te t'asseoir à la même table que ceux qui t'ont torturé, tu as Nyama avec eux. Il s'est exprimé sur la torture au Cameroun. Trois minutes du peuple. Steve Fa, est-ce que tu t'es exprimé? Pardon, mon premier Avenger, si tu es là, il s'est exprimé sur la torture au Cameroun. Toi là. Question.
de tes amis militaires ne sera puni. Parce que tous ces militaires que tu as cités sur tes vaisseaux membres, ce sont tes amis. C'est commandant Stéphane Kiboko. Joyeux anniversaire. Commandant Stéphane Kiboko, le militaire le plus suspect. Commandant, tu es très important pour la République. Reste comme tel, ne change pas. Aussi, arrête de raconter partout qu'on a voulu te tuer. Le commandant le plus suspect. Longue, longue, toi là. Oui, qui ça se racontait partout qu'on a voulu le tuer? Parce que toi, tu étais là. Les gars l'ont juste caressé. Hein? Lors d'une torture, ton cœur ne peut pas s'arrêter. Il n'aurait pas pu, la matière là n'aurait pas pu lui couper une veine. Le temps qu'on l'amène à l'hôpital, boum, vidé de son sang. Non, non. Dans ce que nous avons vu là, c'était une caresse, c'était une expression de leur amour débordant et infini. Hein? Il faut nous dire. Celui qui a failli mourir, c'est moi. Et ce sont tes amis de la base qui ont fait ça. Personne n'a réclamé justice pour moi. Alors arrête très vite. Donc la personne qui a failli mourir, c'est toi. Ah, les camés. Non. Les camés. Donc toi, tu veux récupérer, tu complètes pour toi. Ah, ok. C'est la torture, ça, ou c'est la bagarre? Non, il y en a qui connaissent pas la définition de torture. Hein? Physiquement, est-ce que tu as été touché? Non. Ouais, psychologiquement, tu peux toujours dire que oui, oui, tu as été. Mais là, il n'y avait pas l'intention de torture, mon frère. Comme tu as été torturé, prends aussi, tu viens mettre dans le... Nous avons un grand dossier maintenant, torture au Cameroun. Moi, j'ai dit que tous les Camerounais sont des tortionnaires. Donc, tu peux prendre ta part de vidéo si tu apportes. Hein? Nous allons voir combien de personnes vont classer sa torture. Si vous faites, tu n'as pas honte. Non, sérieux, tu as dit ça. Hein? Donc, longueur. Pour Longuet, là n'est rien. Vous écoutez ce que Steve Fadé le dit. Non, Longuet n'a pas été torturé. Ah non, il n'a pas risqué sa vie, c'est lui. Maintenant, les gens de là-bas sont ses amis. Quand tu mangeais avec les gnattes là-bas, hein, quand tu sortais, tu mangeais avec les gnattes, tes précédents voyages, toi tu fais là comme si nous autres, nous asseyons sur nos cerveaux. Hein. Tes précédents voyages, d'ailleurs, le jour là, gnattes n'était pas là. Hein. Gnattes n'était pas là. Toi, là, tu as mangé avec Gnat, oui ou non? Hein? Le deux poids, deux mesures que tu veux faire. Ah. Si on doit condamner la violence, ça doit se faire pour tous et en toutes circonstances. Tu as d'abord condamné. Tes amis t'ont fouetté pour ton ingratitude. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros pour que je sorte de ce problème. Vraiment. Donc, il est hors de question. Des années plus tôt, hein? Il dit que l'État l'a fouetté pour son ingratitude. Donc, tu es pour la torture, mon frère. Oui. Ah, voilà. Je pose même la question. Pourtant, il y a la réponse dans ces dits. Steve Fatché pour la torture. Oui. Quand tu es torturé, j'en dis bien, on excuse pas la torture. On n'y a pas d'explication. On ne veut pas savoir. On dit qu'on ne torture pas, point. Donc, même si c'était un ingrat, il doit être torturé pour ingratitude. Tu conçois qu'on soit torturé pour ingratitude. Hein, Steve Fa, quand vous dites que l'école est bien, quand vous parlez là, vous ne mesurez pas souvent le poids de ce que vous sortez de vos bouches. Vous êtes seulement là comme des robots. Vous bavardez juste pour bavarder. Donc, je répète, Steve Fa. Donc, pour ingratitude, tu mérites la torture. Rien que ça. Bah, pour toi, la torture, c'est... un petit rappel à la loi. Oh, et mon frère, on t'a quand même donné 49. Bon, il a dit, donc je prends ça pour vérité. Ouais. L'État camerounais, dont les Camerounais, les impôts des Camerounais, hein, t'ont été donnés à hauteur de 49 000 euros. Hein. Mon petit, non, t'as été ingrat. Hein. Chaque Camerounais devrait même, aurait même dû aller lui mettre une tarte. Hein, Steve Fa. Toi, tu t'es mis ici, tu as commencé à chialer comme un bébé. Tu as dit qu'il te manquait combien de millions là pour finir ton nirvana ou ton je ne sais pas quoi. Hein?
Tu es venu pleurer ici. Tu as dit que non, non, il faut qu'on t'aide. Donc toi, tu es déjà à faire des plans sur la comète. Tu as fait ton business plan. Et tu as mal calculé. Tu ne sais pas additionner. Tu ne sais pas soustraire. Kiki, où sont mes camps ici? Hein? Si tu veux voir. Peut-être que vous ne comprenez rien dans l'expression de l'école est bien. Qui est le papa de tous les Camerounais? Et qui ne m'a pas laissé dans les problèmes? Que je le trahisse? Merci. Ce serait très ingrat. Longue, d'où vient-il que tu viennes insulter ce monsieur qui t'a aidé? Lorsqu'on a tenté de justifier l'horreur que j'ai vécue en Belgique, tu es resté silencieux. Alors permets-moi également voilà de te figure. Dire qu'on t'a fouetté pour ton ingratitude. Et cette correction n'a laissé aucune séquelle. Tandis que moi, j'ai été battu presque à mort par des assassins. J'ai des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont ces séquelles qui m'envoient en Allemagne tous les 2 mois pour suivre un traitement suite à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Je ne vais jamais oublier ce jour. Et je ne cesserai jamais de parler de mon acte. Et comme l'affaire Longuet, s'il réveille beaucoup de mots chez vous, hein, ou en vous. Donc, depuis là, hein, tu as été, et après Longuet, bon, tu as été battu à mort, parce que moi, je suis pas pour le boycott, hein, donc, c'est pas moi qui vais te contredire, hein. Je suis pas pour l'agression des artistes, parce que là, c'est même pas le boycott. Je suis pas pour l'agression des artistes, donc c'est pas chez moi que tu viendras poser ton... Donc, tu me dis que depuis là, regarde, position à me mettre comme ça, c'est que vraiment tu m'as pas. Je ne veux plus que ça entre dans mon système neuronal. Donc tu as dit que depuis là, tu n'es pas venu déposer la facture là comme ça en public. Tu n'as pas ramassé les frères de la basse là et tout. Tu ne leur as pas fait 3 minutes du peuple chaque seconde. Hein? Donc depuis ça, ça dit, l'histoire longue, elle réveille beaucoup de mots chez certains Camerounais. Chacun vient déposer sa part à longue, que oh, c'est pour toi qu'on voit seulement, on n'a pas vu pour moi. Longue, là, toi, tu n'avais pas pleuré sur mon sort. Voilà, Fingon, en train de rétro-pédaler. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, tu vas tous les 2 mois en Allemagne, parce que tu as une commotion cérébrale. Tu sais ce que c'est une commotion cérébrale? Qui, a posteriori, te répond plonger dans... ça, les camères, être camère, c'est un emploi un emploi permanent, c'est être fonctionnaire. Oui, non, on va se dire CDI là, non, le CDI est même à, non, là on peut même te virer. Pour virer un fonctionnaire, il faut se lever tôt. Maman, attends, réécoutons encore la partie là. Aïe, Steve Fa, tu m'as achevé. Donc là où tu ne peux plus conduire. Parce que si ça te replonge, ça t'avertit avant de te replonger dans le brouillard. Mais tu as une humeur, hein? Ah, tu as foncé dans le mur combien de fois avec? L'affaire. Mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la pirouette, là. Quand ça te dépasse, tu crées l'affaire dans l'affaire. Mais là, nous en sommes même à la centième affaire dans l'affaire. Là, c'est bon. Personne ne sait plus comment ça avait commencé. Non? Là où tu es assise, hein? Non, heureusement que la vidéo, sinon on a y a téléchargé. Donc, tu es en Allemagne tous les 2 mois. Réécoutons. Manipulateur. Je ne vais jamais oublier ce jour. Et je ne cesserai jamais de parler de mon agression. Car personne ne demandera justice pour moi. Même pas ce régime qu'on prétend que je soutiens. Bref, Longue, la vérité, c'est que tes amis sont de bons militaires. Ils ne mélangent pas l'amitié et le travail. Ils ont sûrement reçu l'ordre. L'enfance est... Doum, même la crevette est futée. Ils ne mélangent pas quoi. Et ils se retrouvent dans les boîtes de nuit en mode Atalakou. Ils ne mélangent pas quoi et quoi. Attendons, rembobinons. J'aime pas bien rembobiner. Aïe, tchaï. De question que ce papa qui n'est pas Yabassi, qui n'est pas. Mais qui est le papa de tous les Camerounais? Et qui ne m'a pas laissé dans les problèmes? Que je le trahisse. Merci. Ce serait très ingrat. Longue, d'où vient-il que tu viennes insulter ce monsieur qui t'a aidé? Lorsqu'on a tenté de justifier l'horreur que j'ai vécue en Belgique,
Tu es resté silencieux. Alors permets-moi également de te dire qu'on t'a fouetté pour ton ingratitude. Et cette correction n'a laissé aucune séquelle. Tandis que moi, j'ai été battu presque à mort par des assassins. Regardez-le bien. J'ai des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont ces séquelles qui m'envoient en Allemagne tous les deux mois pour suivre un traitement suite à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Je ne vais jamais oublier ce jour. Et je ne cesserai jamais de parler de mon agression, car personne ne demandera justice pour moi. Même pas ce régime qu'on prétend que je soutiens. Non, mais j'aimerais comprendre. Hein, une commotion cérébrale n'est pas censée te laisser des séquelles. Donc, on dit c'est une commotion. On te met en observation pour être sûr que la commotion n'a pas entraîné autre chose. Dès lors qu'on est sûr que ça n'a pas entraîné autre chose, bing, tu sors. Donc, tu dis que tu n'as pas de commotion cérébrale là. Les images aussi datent de... Donc, tous les deux mois depuis cette époque-ci, et il faut vérifier, il faut qu'on puisse vérifier si tu es en Allemagne tous les deux mois. Que ça là, ça te met dans le brouillard. Merci. Ce serait très ingrat. Longue, longue, d'où vient-il que tu viennes insulter ce monsieur qui t'a aidé? Lorsqu'on a tenté de justifier l'horreur que j'ai vécue en Belgique. Qui a essayé de justifier? Longue, longue était là. De te dire qu'on t'a fouetté pour ton ingratitude. Et cette correction n'a laissé aucune séquelle. Tandis que moi, j'ai été battu presque à mort par des assassins. Presque à mort. J'ai des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont ces séquelles qui m'envoient en Allemagne tous les deux mois pour suivre un traitement suite à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Il a même coupé suite à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Pas de temps à autre, hein, de temps en temps. Donc ça arrive souvent. Et je t'ai vu avec une woman. Ah, peut-être que tu es un chauffeur, tu ne conduis plus du tout. Parce que moi, je suis assise là. Vraiment. Même si on me donne ça dans un papier, bien un cadeau, là, je ne prends pas, je conduis. Non, non, non. Donc toi, là, ça te plonge dans le brouillard. Tu es tous les deux mois en Allemagne pour suivre le traitement. Là, c'est quel genre de traitement suite à une commotion cérébrale, non? Tu viens nous inventer une maladie, mon frère. Une maladie psychosomatique. Une commotion qui plonge dans le brouillard de temps en temps. Tu es devenu quoi, épileptique? Et tu es obligé d'aller en Allemagne tous les deux mois pour ton traitement. Lequel? Lequel? Avec ça, on te donne les kaolo. Si tu es obligé d'être tous les deux mois en Allemagne, mieux, mieux. Mieux, on te donne les kaolo là-bas, mon frère. Sauf si maintenant tu as les kaolo et que tu as décidé de rentrer vivre au 237. Aïe! Oh! On peut mentir comme ça, si tu veux faire. Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Tu as une personnalité publique. Je ne suis pas sûr que tu sois en Europe tous les deux mois. Et tu peux toujours dire que oh, avec Schengen, tu entres par la porte, tu sors par la fenêtre. Je ne vais jamais oublier ce jour. Et je ne cesserai jamais de parler de mon agression. Quand toi si. Personne ne demandera justice pour moi. Mais... Et si Vafa, tu ne cesseras jamais de parler de ton agression. Depuis qu'elle a eu lieu là, tu en as parlé combien de fois? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi mal, autant malhonnêtes? Aussi et autant malhonnêtes, hein, si Vafa. Oh, tu veux seulement coche longue longue, tu viens seulement verser ta part. Mais dans tout ça là, mon frère, tu fais preuve d'une inhumanité de haute voltige. On peut faire ça. Donc, tu aurais aimé être à la place de longue longue. Pour ce faire, il faut d'abord que tu ailles te faire torturer. Hein. Qui t'a mangé avec tes tortionnaires plus tard, mais mon frère, il faut que tu passes d'abord la machette, il y a un prix à payer. Non, tu es pour la torture. Ah, hey. Ce régime qu'on prétend que je soutiens. Bref, longue, longue, la vérité, c'est que tes amis sont de bons militaires. Ils ne mélangent pas l'amitié et le travail. Ils ont sûrement reçu l'ordre de te donner une correction et ils l'ont exécuté. Après ça, vous êtes redevenus amis. C'est eux qui avaient pris ton passeport et c'est grâce à eux que tu as pu refaire ton passeport. C'est grâce à ton ami Tabala. Écoutez-moi alors la bêtise de celui-ci. Eh, ça justifie la torture. Mais je vois que c'est la pire sortie.
C'est la pire sortie que nous ayons eue. Il justifie la torture. D'ailleurs, est-ce que Bouzonga Longa est venu vous dire un jour que ce sont les amis, ce ne sont pas des amis? Il a dit que ce sont des grands bandits. Peut-être qu'il a été ami avec, il y en a qui sont amis avec de bandits de haut chemin. Est-ce que vous vous dites là, oh, c'était des amis? Longa Longa vous a dit que ce n'était pas ses amis, qui ne mangeaient pas avec. On vous dit de rester dans le sujet, vous ne restez pas dans le sujet, vous avez des esprits qui divaguent comme vos cervelles. Hein? Oui, il a une commotion cérébrale qui le plonge dans le brouillard de temps en temps. Et il est tous les deux mois en Allemagne pour suivre un traitement. Il n'y a que lui-même qui sait. Il a fait Bac plus 7 minimum. Il vient nous sortir une nouvelle maladie. Même parmi les maladies psychosomatiques, nous, on ne connaît pas celle-là. Pourtant, nous avons eu et accident de voiture, et ceci, et cela. Il n'y a que Steve Fa qui sait. Tu te retrouves en Europe aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'est toi qui célébrais sa nomination à Kribi. Non, Steve, pas Non, tu es en train de justifier la torture, hein, mon frère. On peut faire ça. Dans le Cameroun, tu vis là. Le Cameroun dans lequel tu vis là. Attendons seulement voir que ça ne rampe pas seulement là-bas. Que ça ne rend pas. Et le pire, c'est que vous avez cette vidéo depuis et vous n'avez pas dénoncé. Moi, je vous promets que si j'étais sorti dire ici à Longue Longue, que mais Longue Longue, c'est comment non? Les mêmes là, vous la même, hein, vous seriez sorti me dire que oh, mais vous, tu sais, le syndrome de Stockholm. Comme par hasard aujourd'hui, vous n'avez plus le syndrome de Stockholm. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Et en bon mot, toi même viens voir ça. De toute façon, tes amis et toi, j'en ai rien à foutre. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que tu cherchais l'asile politique. Mais pourquoi c'est en France que tu vas le faire? Bada colonisation, colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de... Est-ce que... T'es vraiment les camés. Et pourquoi pas? Pourquoi ils ne chercheraient pas en France? C'est un artiste. Ici, nous acceptons la liberté de penser, liberté d'expression. Hein, mon frère? Ici, là, nous, on n'en a rien à faire. Nous qui sommes assis ici, est-ce que nous ne disons pas que Colomb est monté, Colomb est descendu? Est-ce qu'on nous a emballé pour nous mettre dans les bateaux et nous renvoyer en Afrique? Voilà l'expression du Camer. Hein. On vous dit d'avoir peur de nous. Non, Steve, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Archivons seulement. Steve Fa. Donc, toi, alors, tu t'es installé jusqu'à tu as fait. Mais alors, les recherches des autres, là, c'est rien à côté de ta part. C'est rien à côté. Jusqu'à tu as même mis la France et tout et tout. Tu crois que ça va faire quoi? Hein? Il est de notoriété publique, il a été torturé. S'il a demandé l'asile ici, on va lui donner. Vous et là ne serviront à rien. D'accord? Ça ne servira à rien. Il y a des Français qui traitent même la France, même d'abord là, de colons. Donc, voilà donc, le 237, Steve Fa. Hey, pour toi là, alors, c'est la meilleure des copies. Qui a chanté cette chanson, Longue Longue? Tu crois que TV5 Monde t'a reçu parce qu'il t'aime trop? À quel moment tu n'as pas compris qu'ils veulent juste profiter de cette situation pour déstabiliser ton pays? Même si on n'aime pas Paul Biya Longue Longue, ne donnons pas du grain à moudre à ceux... Mieux j'arrête. Attendez, vous d'abord prendre... Non, parce que là, mes migraines vont... déstabiliser le Cameroun. C'est la seule vidéo de torture que nous ayons. Mon cœur vient de tomber alors ce coup-là, j'ai tenté de rire. Déstabiliser le Cameroun. Est-ce qu'on vous a dit qu'un journaliste a vocation à vous aimer pour vous inviter sur un plateau? Pour que vous puissiez vous exprimer sur l'actualité. Et surtout quand vous faites l'actualité. Et Steve Faye,
Steve Fao. Steve Fao. Oh, colo, en vrai. Là, maintenant, là, c'est bon, je suis là. Alors, celle-là, je ne m'attendais pas du tout à celle-là, du tout, du tout. Déstabiliser le Cameroun. Donc, le gars Steve Fa, de tous ceux qui ont fait des sorties, Steve Fa, lui, alors, il est pour la torture. Hein. Ah non, c'est là, explicite. Steve Fa est pour la torture. Oui. 3 minutes du peuple. Donc, les Camerounais, quand vous allez être torturés, ne comptez pas sur Steve Fa pour lever son petit doigt. En même temps, il pleure, il dit que nous n'avons pas dénoncé. Nous n'avons pas dénoncé. Tu es sûr que nous n'avons pas dénoncé, Steve Fa? Moi, je ne suis pas pour la violence de leur boycott, là. D'accord? Tu es sûr que nous n'avons pas dénoncé? Toi qui es pour la torture. Toi qui es pour la torture. Steve Fa. Le régime Biya, non, c'est Biya, parce que son régime va lui survivre. Le régime Biya s'y emportera beaucoup de Camerounais. Hein. Ah oui, que oui. Et Steve Fa fera partie du lot. Non, non, le régime s'y va entraîner beaucoup de jeunes Camerounais. Et tu dis que Longuet, mange avec ses tortionnaires, mais toi, tu n'as pas besoin de manger avec les tortionnaires. Toi, tu en es déjà accouché avec le tortionnaire. Là, tu ne manges pas seulement avec le tortionnaire, tu couches avec le tortionnaire. Tu es sa voix, tu es sa pensée, tu es sa voix. Même ton ministre de la Défense a ouvert une enquête. Toi, tu viens là, tu dis que non, le gars a été torturé. Parce que il a été ingrat. Hé, hey, Steve Fa, nos impôts la laissent. Ton Fa là, il va se transformer un jour en Fa. Mais vraiment, le phare d'Alexandrie, quand tu auras un redressement fiscal, un jeune comme toi, tu es pour la torture. Si Longuet mange à la table de ses bourreaux, toi, tu es dans leur pieu. Tu es dans le pieu de tes... Tu te courbes propre. Les gars passent... Il passe par là comme on traverse le tunnel sous la Manche. Ah oui, oui. Toi, tu te transformes en tunnel sous la Manche et eux, ils sont le rostar. Vroup, dedans. Sans vaseline. Oh, ça va bien. Et qui a ruiné notre continent. La forêt de Yavassi. Après tout ce combat pour sortir des griffes de la France, qui aurait imaginé que c'est toi, Longuet, qui allait donner à ce pays des arguments pour nous asservir à nouveau? Bref, si tu es sage, Longuet, fais une vidéo et demande pardon à tes amis, à tes combis militaires et rentre au Cameroun. J'aimerais conclure en disant quelque chose que vous allez trouver paradoxal. Le régime de Paul Biya a ses défauts. On les connaît, mais ce ne sont pas des criminels. Sinon, ça coûte quoi à Paul Biya de vous éliminer un par un? Vous croyez que être en France ou en Allemagne, c'est être caché? Non! Il n'a même pas besoin de déployer des normes moyennes. Vous savez, 5000 euros et vous connaissez nos gens d'Europe de l'Est là. Un par un, on vous élimine. Soyons modérés et estimons-nous heureux d'avoir un président qui n'élimine pas ses opposants politiques. Et je pense que c'est d'ailleurs lui qui m'inspire au quotidien dans ce sens. Sinon, j'aurais déjà fini avec les gens qui m'ont agressé. Je les connais tous! Les agresseurs, les commanditaires, je les connais tous et je connais leurs adresses. Ça ne me coûte rien. Mais je pense que le pardon guérit mieux que tout. Et toi là, tu as le cœur de pardon. Steve Fa. Ah, Zambe. Steve Fa, toi là, tu as le cœur du pardon. Ben là, non, c'est bon, là, il n'y a plus de mots. Mieux je fais ma couture. Non, 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 Steve Fa, tu m'as gagné là. Steve Fa. Hein? Et ce qui est bien, c'est que tu mets un point final en dévoilant ta propre démarche. Nous n'avons pas besoin. Il dit que tu accuses Longuet d'avoir mangé à la table ou de manger même à la table de toi, tu es dans leur lit. Ben oui. Ben oui. Tu es dans leur lit. Ils te prennent à volonté comme
comme ils veulent, dans la position qu'ils veulent. Oui. Toi, alors, c'est pas la peine. Non. T'es plus humain. Tu es pour la torture, mon frère. Tu veux qu'on fasse quoi avec toi? Hein, Steve Fa? Tu veux qu'on fasse quoi avec toi? Tu n'es pas humain. Tu es pour la torture. Tu fais des reproches à une personne qui a été torturée. Toi, tu n'as même pas été torturé. Et tous les soirs, chaque seconde de ta vie, tu te courbes, les gars passent. Comme le rostar dans le tunnel, sous la manche, vroup. Dans toutes les positions possibles et imaginables, et tu es là. Tu en redemandes même. Oui, tu en redemandes. Dis-toi que la torture en fait partie. Dans ton courbe là, si toi tu es maso, si tu prends plaisir à être torturé, dis-toi qu'il y a la torture, elle a leur torture, pas celle qu'on utilise au plus mal, là. Non, la vraie torture, là, celle qui est destinée à t'enlever ton humanité et à te soumettre autrement. La violence, pas les jeux au plus mal, là. Non. Dis-toi que dans ce pourquoi tu as signé là, il y a la torture qu'a subi Longuet. Hein? Oui. Ah, pour toi là, toi tu as vendu ton âme, donc du coup. Non, tu n'as plus pas grand chose à attendre de la vie, puisque pour toi c'est le matériel. Tu penses valoir plus que le commun des mortels parce que, oui, tu as 2-3 francs sous dans la poche, tu montes, tu descends. Et le pire dans ça, c'est que tu es un mytho pro max. Mytho pro max. Mais je vous répète que dans ce qui se passe à Longuet, là, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. D'accord? Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de l'humanité. Il s'agit de nous tous. J'ai comme l'impression que j'ai fait une bêtise avec mon truc ici. Il s'agit de toute l'humanité. D'accord? Sur ce, ça m'a de la doublure. Hein? Vous voulez que je vous montre mon raffia? Je ne vais pas vous donner mes secrets. Vous mentez, mais je vous montre mon raffia parce que je suis en train de l'apprêter là. Bonjour Jacques. Non, c'est Karine, c'est pas Sandrine, pardon. Ça finit par aller, mais ce n'est pas pareil. Donc voici mon raffia que je suis en train d'apprêter. Je ne vous dis pas comment parce qu'elle est secret de fabrication. Moi, j'ai mis du temps à... c'est sorti du labo. Donc voici mon raffia. Le raffia dans lequel je vais faire... beau raffia. Dans lequel je vais faire mon bustier, il va être corseté, hein, parce que je fais pas un corset finalement, je vais faire un bustier corseté. Donc voilà, il sent bon la nature. Donc vous avez vu ça, c'est ma doublure, c'est la doublure. Maintenant je dois faire la triplure. Oui, je dois couper la triplure. Et j'ai décidé, j'ai enfin décidé du montage que je vais utiliser. Je vais pas utiliser le même montage que sur le serre-taille. Je vais utiliser un autre parce que c'est censé être une robe. Voilà. Désolé, pourquoi? Hein, Jacques? Tu es désolé, pourquoi? Donc, voilà la famille. Je vais essayer de couper ma triplure parce que finalement, le montage n'est pas aussi long que ça. C'est vraiment tout ce qui est en amont. C'est tout ce qu'il y a en amont. Je crois que je vais prendre un jour de congé demain parce que j'aimerais vraiment le finir là avant mardi. J'aurais dû l'avancer ce week-end. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas parce que vous voyez là que c'est la grande forme. C'est minable, hein. Mais, hélas. Ah non, pour non, mais non, je t'en tiens par rigueur. Oh non, non. Oula, pour non, mais je suis pas une rancunière. Et encore, parce que tu t'es juste trompé. Non, mais soyons sérieux. On va finir à la CPI, voilà, l'eau, beau, maman et Malidi, oh, je savais pas qu'elle allait me faire ça, oh. Malidi en mode OTS, et je ne l'ai pas vu arriver, hein. Je ne l'ai pas vu arriver, j'ai l'odeur du raffia là dans les narines.
Non, non, Steve, fais pardon, mieux vais reposer mon cerveau parce que là, non. Oh, aïe, ça va. Les enfants du 237. Et c'est pour cela que je vous dis souvent, beaucoup de personnes disent, oh, tel peuple a lutté pour ceci, oh, tel. J'ai dit, non, les gars, ce sont des individus, une poignée d'individus. Et pour chercher d'où venait la traîtrise, regardons-nous dans les miroirs. Les miroirs, nous en sommes le fruit. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? On n'est trahi que par les siens. Regardez Steve, il ne se sent pas concerné. De tous ceux qui sont sortis là, lui, il est pour la torture. Il le dit explicitement. Il est pour la torture. Sauf que le jour où ça va ramer sur lui, hein, il va dire qu'appeler la basse, envoyer la basse. Il parle de la basse là, mais lui-même, quand il arrive en Belgique, il arrivait, bon, maintenant, je sais pas trop. Mais l'année d'avant, il était avec les Gnatin. Oui, oui, oui. Ceux qui sont censés être de cette basse-là qui boycotte. Le Steve Fa dont vous parlez là, il était avec Gnat. Tu veux qu'on te sorte les images, Steve Fa? Je vais être belle seule. Maman, quelle belle. Maman, tu as vu comment je suis dans le roi là? Est-ce que j'ai même bien commencé? Je suis encore à poil. Hein. Je suis déjà au-delà à poil où tu vois là. Je suis même pas sûr de faire le bas. Je n'ai même pas encore fini le haut. Hein? Et moi, je dors plus que je ne travaille. Et je n'ai pas de jour de congé. Demain, là, si je prends, c'est pour ne pas partir à Noël. Hein. Si je commence à grappiller les jours, là, pour le 2 novembre, j'aimerais éviter. Donc, je vais essayer de dormir le plus tard possible aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. J'aurais aimé couper ma... Ne serait-ce que la doublure et le dessus du vêtement aujourd'hui. Mais le raffia, c'est notre travail. Ou ne faire que la triplure. Et je n'ai même pas encore commencé. Parce que j'hésitais sur le montage. Alors me voici donc au carrefour. Donc là, bon, piquer la doublure, c'est pas, voilà, c'est pas la mer à boire. Mais j'ai pas encore coupé et mon vêtement et la triplure. Donc je ne suis pas encore, maman, il va arriver là-bas à poil. Laisse moi mon milieu d'eau là. Laisse, maman, je suis encore à poil. Mieux sont celles qui vont aller acheter leur tenue. Moi, vraiment, la lubie, si là. Je ne sais pas qui m'a envoyé. La folie. Ça, c'est ma part de folie. Mon milieu d'eau est là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai fermé. Voilà. Et là, maintenant, j'ai un doute. J'ai comme l'impression que... maman. Mes roploplos, là. Parce que c'est ça. Hein. J'ai comme l'impression que mon... Ah, mais c'est bon. J'ai enlevé dans le dos exprès pour pouvoir serrer. Même comme, oui, ça ne va pas réduire de beaucoup. Mais bon, vous allez voir une fille arriver là-bas. C'est ça qui est ça. Allez, la famille. J'ai vraiment mal à la tête. J'ai oublié de prendre mon médoc tout à l'heure. Et je le prends d'une façon très intime. Donc, excusez-moi un petit peu. Je dois y retourner. Je dois y retourner. Je ne savais même pas que j'en avais encore. Parce qu'ils sont en rupture de stock. Allez, la famille. Vraiment, les migraines que Steve vient de me donner là. Hein? J'ai plié les 10 en même temps. Même les orteils dans les 20. Steve, on peut faire ça. Fingon à côté, c'était du fingonnage basique, quoi. Du fingonnage, toi tu es même pour la torture, carrément. Steve, et tu es au 237. Là-bas, hein, même les civils torturent, hein, mon frère. Tu nous vois lutter comme ça, c'est que ça rame sur nous. Que ce soit les gens en tenue, que ce soit au quartier. Tu dis, tu parles de la Belgique. Le jour, les Camerounais vont descendre sur toi. Oh, oh maman, eh, oh. Bien bas, je nous salue. Allez chercher le Japon. À cette heure-ci, là, même ma musique s'est arrêtée. Je suis allée me coucher. Les choses intelligentes, si c'était une toute seule. À la télé, restait faire bop. Ah, Kia, je ne sais pas encore la mère, je ne sais pas. Dis-moi seulement. Donc, il y a quoi comme Japap? Et puis, il y en a qui sont sur les mariages des gens là et moi. Ok, celle-ci alors. Même si on me fouette, ne l'écoute pas. J'ai le Catherine Chou là. Là, c'est la migale. Moi, je n'ai pas sa migale.
J'en ai assez à faire avec mon araignée. Allez, à demain la famille. Ciao, ciao.